Les Runners. Jean-Luc, guitariste. Jean-Luc, chant. Renaud, batterie. Amaury, clavier. Et Tony, bassiste. Bien, les Runners ont été créés en 2011 avec cinq musiciens qui avaient envie de sortir leur trip sur scène. Et puis des musiciens désireux d'assouvir leur passion de blues et du rock. Alors j'étais très heureux de retrouver un ancien camarade de jeu, Tony à la basse, et puis de découvrir en même temps trois autres musiciens un petit peu plus jeunes. Et bah, tout ça forme une petite symbiose et on s'éclate bien. C'est vraiment du blues et du rock, avec pas mal de reprises, Rolling Stone, Eric Clapton, entre autres John Mayer, donc pour des musiciens plus récents, et puis on inclut des compositions qui vont bientôt arriver pour cet été. Actuellement, on travaille un morceau de John Mayer qui s'appelle Another Kind of Green, puis on revoit toujours à chaque répétition un ou deux morceaux un petit peu plus anciens pour essayer d'apporter toujours plus de fun, toujours plus de trip, puis en essayant d'améliorer à chaque fois, de progresser constamment. Le titre phare, ben c'est celui qu'on a joué tout à l'heure, If You Love Me Like You Say, un standard d'Albert Collins, vieux musicien de blues. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous colle à la peau et qui nous colle au trip, parce qu'on est vraiment dans notre registre. Pour les concerts, on a fait déjà une dizaine de concerts l'année dernière. Cette année, on a pas mal, on a 10-12 dates cet été, avec un passage Place d'Armes au 1er mai, pour la recherche contre le cancer. On sera également au Mondial Air Ballon, on sera également pour le 13 juillet à Montigny-les-Metz, avec une scène superbe. Et puis on doit être à la fête de la musique le 21 juin à Bousse, le 22 à Yutz, et j'en passe et bien d'autres. On a également deux dates prévues en Belgique au mois d'août. Bref, on a un programme chargé. On aime tous la même musique, on aime tous la bonne musique. Et puis surtout, c'est une aventure humaine qui s'est mise en place il y a deux ans. Avant tout, avant la musique, c'est surtout les gens, c'est surtout des... Et là, il y a cinq types qui se sont rencontrés, et puis on se prend pas la tête, on joue, on essaye d'être nous-mêmes sur scène, et puis tout ça passe très bien, on s'amuse bien, il n'y a aucune prétention, on fait les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors le futur, c'est maintenant, après la mise en place du site internet avec les photos, les démos, et puis le teaser surtout. Cette année, ça va être les compositions à mettre en place, et puis il y a un clip qui est prévu. Pour l'automne, je pense, on a pris un petit peu de retard peut-être, mais on voulait vraiment être au point pour tourner ce clip. Séquence production de Neural Veneur va nous mettre ça en place, et on veut vraiment que ce soit quelque chose de bien. Et puis, on espère un CD pour l'année prochaine.